Et bien sûr. Bonsoir, petit soeur. Ah, bonjour. Mon beau. Oui, comment voilà, tu vas? Ça va. Vous allez rentrer, non? Non, on va arriver ça ici. T'inquiète. Tu as ta salle. Non, non, c'est bon. Petit soeur, c'est comment? Je vais bien. Ça va? Ça mais, va. Mais petit soeur, je suis fatigué. Hein. Tu as un problème? Tu me demandes encore s'il y a un problème. Elle a fait quoi? Mon cher, si je parle avec ma soeur, faut te taire. J'ai pas un problème avec toi. Elle on est d'accord. Je sais très bien qu'elle est ta femme. Mais elle est ma soeur aussi. Hein? Petit soeur, je suis fatigué. Comment se fait-il que les nourritures que moi j'envoie à ma maman, tu viens chercher pour ton nom? Ça, là même, c'est pas un problème. Le grand problème est que l'argent que j'ai envoyé à ma maman, tu es venu encore chercher. Hein? C'est pas bien. Moi, je suis fatigué. Si ton homme n'a pas un travail, faut qu'il cherche un boulot. Non, mon c'est un homme. Mon beau, sinon c'est le temps. C'est le temps qui me gère. Sinon, si moi-même je gérais le temps là, j'allais trouver du travail et on n'allait pas prêter de l'argent de maman. Mais faut faire maçon. Non, j'ai dit quand je vais gagner le boulot là, je vais faire tout là. On va rembourser l'argent là. C'est juste ça, mais on va rembourser ça. Comment se fait-il que Nimbouya Dieu nous fait un million de boulot? C'est pas bien. Foufou, excusez-nous. Foufou, on va rembourser. Il cherche. Il va trouver de boulot. Je suis fatigué. Et c'est trop. Écoute-moi très bien. Si ton mari est incapable de te garder, viens à la maison, je vais m'occuper de toi. Te garder là, c'est pas un problème. Hein. Garder toi et ma maman, c'est pas un problème. Mais je ne peux pas garder maman, toi et mari. Jamais. Mon beau, mais tu es mon beau, non? Je suis ton beau, je suis pas ton frère. On est d'accord? Je suis pas ton frère. Tu ne peux pas laisser mon mari. Comment tu ne peux pas changer? Tu ne peux pas changer. Il a besoin de moi. Je ne crois pas que ça va rester comme ça. Non, c'est pas bien. C'est pas un temps. Ça va changer. Et comme qu'est-ce qu'on mange maintenant, ça va te dépasser. Tu es mon beau. Je suis ton beau. Je ne suis pas ton frère. Rectificatif. Ne me dis plus que je suis ton beau. D'accord, mon frère. C'est qu'on peut rembourser. Oui, bah, on est d'accord? Il va ne pas. Moi j'ai fini. Après, il faut que je maman. Viens chercher encore. Si je viens ici, là, c'est. Je vais tout casser dans la maison. Chérie, ton grand frère dit de rentrer. C'est tes parents. C'est pas bien, tu vas rentrer. Et quand tu vas changer, toi, on va reprendre la relation. C'est sérieux ce que tu es en train de me dire là. C'était pas comme ça au début. Et c'est pas maintenant, je vais te laisser. Tu prends du gari, tu ne manges pas, je vais rester toujours avec toi. Tu sais que j'ai plus rien. C'est si ta maman. Ça me dérange pas, arrête. C'est si ta maman qui a une chose pour manger. Je vais toujours rester avec toi. Arrête de me dire ça. Et on va manger quoi? On va manger quoi? On va toujours s'en sortir. Tu sais. Mais j'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi ma vie soit comme ça? Je sais. Ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Il ne nous a pas oublié. Sois juste fort. Je sais que ça va aller. Ça va pas finir comme ça. Ça, je te le promets. Passe, fille. Qu'est-ce qui t'a mené? Lodge. C'est mon mari. Il n'a pas trouvé de boulot. On a tout fait. Il cherche. Il ne s'est jamais arrêté. Mais il ne trouve pas. Aladji, si mon mari trouve le boulot, il se sent bien, il est à l'aise financièrement, je serai heureuse aussi. Son bonheur sera mon bonheur. Même ma famille l'embête tout le temps. J'ai même honte à sa place. Je veux qu'il trouve le boulot, Aladji, qu'il soit capable dans ma famille et aussi dans sa famille. Aladji. C'est tout ce que je veux. Non, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Et tu t'as fait comme ça. C'est tout. Faut pas t'inquiéter. Tous, on va gérer tout. Tu as compris? Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Ce qu'on fait, tu vas te donner quelque chose. Tu es arrivé à la maison, tu mets ça dans l'eau. Tu sais, tu es grand. Mais je t'ai toujours dit, quand je suis en train de faire quelque chose, ne me dérange pas. Je t'ai toujours dit ça, non? Tu ne veux pas que je sois de causer avec mes amis?
La nourriture est prête. Tu ne veux pas manger? Ah. Mais chérie, depuis un bon moment, tu ne manges pas à la maison. D'ailleurs, je ne suis pas là. Je veux aller voir mon ami Tanguy. Mais tu veux te revenir ce matin? Tu n'avais pas dormi à la maison hier? Attends, tu es là, mais là, tu veux me contrôler, c'est ça? Je veux te... Si tu es ma femme, tu veux me contrôler? Chérie, calme-toi, je ne te contrôle pas. Je te dis, je ne veux pas rester. Même ce soir, je ne dors pas à la maison. Ce soir, je ne dors pas à la maison. Chérie, mais... C'est quoi? Pourquoi tu me déranges comme ça? Je ne te dérange pas. Si c'est chez toi, non? Ben, je sors maintenant. Je ne rentre pas, je ne rentre pas ce soir. D'accord? Mange ce que tu as préparé et dors seul à la maison. Oh, moi, je vais t'appeler tout à l'heure. Ne m'appelle pas. Ne compose même pas mon numéro. Elle a changé comme ça. Tu veux que les choses ont changé maintenant? Lui-même, il a changé. Il ne mange plus à la maison. Il ne dort plus à la maison. Je ne suis personne. Je n'ai plus aucune valeur devant lui. Seigneur, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Est-ce que je mérite ça? Seigneur. Je m'en vais déjà quoi. C'est bon, faut t'arrêter ici, non? Ah bon, oui. Hé, hey, j'oubliais. Je peux peut-être amener le monsieur. Pour un an de loyer. Oui, j'avais payé un an de loyer. Donc, je dois aller voir mon ami là. Et je vais prendre Béline Tassi. Je vais appeler Béline Tassi, il va venir le chercher. Ah, ok. C'est que j'aime plus prendre les thèmes maintenant. Le soir, tu viens dormir ici? Ouais, je vais passer. Forcément, je dois dormir où? Je viens dormir chez toi. Ok. C'est ça, on n'a pas mis de pizza. Tu veux deux pizzas? Toi, tu peux manger deux pizzas? Oui, non. Aïe, tu reconnais? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais t'amener deux pizzas. Ok, t'as oublié mon bisou. Aïe. Oh, bébé, toi aussi. Oui, non, tu aimes ça? Ça, hein? Ça, oui. Vraiment. Oui, oui. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Sérieux. Hé, ma maman. Viens là. Tu sais que c'est à 4h et moi, donc. On a pété, on a pété, j'ai champagne bien. Et en plus, t'as beaucoup de champions. Tu l'as cherché où? Non, mais je l'ai loué, je veux voir pas maintenant. Et j'ai payé un an de. Sérieux? Ouais, parce qu'elle est ma nouvelle femme maintenant que j'ai mariée maintenant. Sérieux? Donc, c'est ça. Ah, sérieux, tu veux. Tu sais, cette gars à la maison là, moi, elle est devenue villageoise. Tout ce qu'elle peut pas là, moi, je n'arrive même plus à manger à la maison maintenant. Elle me peut pas les trucs bizarres, bizarres. Oh, mon nom, juste maintenant, c'est bizarre. Chahouaman, c'est les trucs que je mange. C'est pas toi, c'est bien, c'est bizarre. Le foie, tu l'as appelé là. On était dans la grotte, quelque part là. Regarde ce qu'elle a porté. J'ai eu honte de rester avec toi. Mais comment une femme peut, toi, comme ça, regarde comment elle est. Moi, je veux l'idée. Je veux me séparer avec. Regarde, c'est mieux. Oui. C'est mieux. Les choses vont changer maintenant. En fait, moi, je vois qu'on n'est plus dans la même catégorie. Voilà, exactement, mon frère. Je te jure. Quand les choses avancent, toi, mais il faut jamais évoluer. C'est ça. Moi, regarde. Divorce là, c'est déjà comme ça. Entre moi, elle, là, c'est fini. D'abord, elle là, tu dois la changer quoi. Okay. Celle qui est venue hier là, celle avec qui on a fait un mouvement hier. Tu as validé, non? J'ai validé, je te promets frère. Toi, tu es un bon ami. Et tu me donnes toujours des bons conseils. Et je suis là pour toi. Regarde, j'ai déjà planifié tout. Je vais me divorcer à elle. Et entre moi, elle là, c'est fini. Oui. Mais c'est sur le catégorie, tu as. Non, elle met le pour un baliton. Voilà. C'est pas forcé. Non. Moi je ne l'aime plus et puis elle me dit toujours qu'elle m'aime. C'est forcé. C'est forcé. L'amour là c'est forcé. Elle n'aime pas plus. Regarde, d'ailleurs, il faut que j'aille faire truc là. Le contrat que j'ai eu maintenant là. Il faut que j'aille. Faut pas, moi, le soir, moi, il y a encore chaud. Je ne veux pas gagner. Non, ce soir là, on gère ça demain, non. Je suis fatigué. Oh, moi, je ne savais pas. J'ai déjà invité une copine. Et oublie, toi là, je vais t'envoyer ça, mais toi, je vais avec elle. Hé hey, mon gars, c'est... Je t'ai déjà dit. Entre toi et moi là, c'est fini. Oh, tu chéris, s'il te plaît. Tu vas chez tes parents. Tu veux que j'aille ou chéris, s'il te plaît. Sors. Chéris, s'il te plaît, me fais pas ça. C'est fini. S'il te plaît, ne me fais pas ça. C'est fini. Chéris, s'il te plaît. Hein? Oh, tu veux que j'aille ou? Je n'ai personne à part toi, chéris, s'il te plaît. Toi maintenant, c'est ce que tu peux pas toujours. Chéris, je vais changer. Faut te lever, faut partir chez tes parents. Chéris, t'es bon idée. C'est fini. Chéris, tu peux changer. Regarde, on te fait sortir, au lieu de t'habiller proprement, regarde ce que tu portes. Il faut va aller chez tes parents. Hein. Alors,
Maman, tu m'as pressé, hein? Chauffeur, t'as vu, tu vas vite. Maintenant, je vais sortir, hein? T'as vu, toi? Hein? T'es plus là? Ah! Oh, regarde, 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 regarde. Faut essayer ici, faut essayer ici. Regarde. C'est pas parce que. Elle est pleine déjà, elle est. Attends, t'es plus là? Ah? Bonjour, 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 monsieur. Oui, bonjour. Sinon, je cherche du travail, quoi. Tu cherches du travail? Oui. Et comme j'ai été chez le délégué, il a dit on cherche du travail ici. Donc, raison pour laquelle je suis là, pour voir si je peux gagner ma chance aussi. Tu as quel diplôme? Moi-même là, bon, tout ce que je vois là, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Et tu fais quel travail exactement? Tu fais quel travail? J'ai permis, je suis passé dans les boîtes de nuit. Je sais ouvrir le champagne aussi. Je suis où les champagnes? Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ah, elle est venue chercher du boulot aussi. Ah, non, non, c'est notre madame, c'est notre patron. Ok. Chérie. Oui, tout à l'heure. Oui, je suis en route. Oui. Elle est quoi, vous avez dit? C'est notre patron. C'est pas, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, c'est ce monsieur qui voulait du travail. Jésus! Attends, c'est elle qui a la voiture là, c'est elle qui a la maison là aussi. C'est... Ah, chérie. Mettez-moi ça dans la voiture et dégagez. Chérie, ah, oh. Oublie tout ce qui s'est passé. C'est pas moi-même. Attends, tu es devenu quoi même? Oh, je suis devenu ce que Dieu a voulu. Bébé, tu as vraiment voulu. Bébé, je peux te comprendre. Je suis pressée, je dois aller en rendez-vous là. Si bébé, s'il te plaît. Si tu sais, c'est les gens de mon village qui me dérangeaient, raison pour laquelle je t'ai chassé. On t'a bien dérangé, j'espère. Je suis revenu vers toi maintenant. On t'a enfin laissé. On va manger l'amour. Bébé, regarde-moi. Eh, s'il vous plaît. Vous le voyez? Oui, oui. Que ça soit la dernière fois qu'il vient ici. Bébé, c'est vous moi. Vous me comprenez? Regarde, madame. Hey, monsieur, lève-toi. Quoi? Je me voulais. C'est ma femme. Monsieur, lève. Madame n'aime pas ça, hein. Oh, monsieur. Je peux t'attendre ici, tu vas revenir. Monsieur, lève-moi là.